Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de Enter the Gungeon. Dans la session d'hier, il s'est pas passé des choses particulièrement notables en termes de résultats, mais par contre, il y a eu des choses notables en termes de découvertes. On a eu l'occasion d'aller pour la première fois à l'intérieur d'un niveau bonus, à savoir le plus difficile, le quatrième. On a également eu l'occasion d'apprendre comment jeter des objets dans la grille du pote qui nous donne de la thune en échange. On a également, parce qu'on ne s'arrête pas là, appris... on a appris quoi? On a appris que Cannon Glass... Ça fait la race de mal. Et voilà. C'est déjà pas mal. On a dépensé de la thune aussi pour choper quelques petits items supplémentaires à la boutique de l'hégémonie. On est encore très loin d'avoir fini le stock actuel de ce qui nous est proposé à l'achat. Mais on est maintenant sur des articles qui coûtent cher et qui demandent plusieurs runs pour avoir le nombre de crédits hégémoniques nécessaires à leur achat. Alors que nous sommes directement contre du double canon. Et des munitions... mission méchante. La vache. Oui, ça commence bien. Dans un début de session, plutôt endiablé, et ce, dès le premier écran. Ça ne ressemble à rien. Quelle est donc cette salle? Les gens se sont dit, oui, ça y est, il est allé dans un... dans un niveau secret. Il faut que ce soit encore plus dur qu'avant. Ça n'a aucun sens. Et cette salle ne m'a donné que 3 PO. 3 balles. Vraiment. Est-on sérieux? Je suis pas sûr. J'aimerais qu'on m'explique. En tout cas, l'armure est passée. Hein. C'est un moindre mal vu ce qu'on a rencontré. Mais vraiment, genre, je suis à 4 balles. Et j'ai eu quand même 2 salles bourrées d'ennemis, quoi. C'est ouf. Cette première run sera donc la run de... de l'infamie. Pistolet mitrailleur, c'est pas mal. Petite clé ici. On apprécie. La pierre de Guyon Clair. Des possibilités, quoi. Mais d'habitude, le premier étage, c'est celui où on se fait la race de thunes. Et là, c'est juste dégueulasse, quoi. Une clé, ok, c'est cool. Ah, attendez, parce qu'on m'a dit il faut 2 clés. Alors, allons-y, hein. D'abord, je vais faire ça. Avant de gâcher... mes possibilités. Voilà. Et on verra après si j'utilise les 2 clés pour faire le niveau bonus ou si j'ouvre ce coffre. Parce qu'on a envie d'ouvrir ce coffre quand même. Hydra doré. Est-ce que cette run ne serait pas en train de devenir bien? Hydra doré, chargé à bloc semi-automatique, augmentation de la capacité des chargeurs. L'hydra doré est un chef-d'œuvre fabriqué par Edwin, le légendaire armurier. La capacité de son chargeur augmente chaque fois que son utilisateur est blessé. D'accord. Révolvération de 1, ainsi par les calibres. Celle qui brandissait les 7 armes dans ses mains et marchait à travers les 6 chambres chargées. Lorsque l'arme aura visé le cœur du pacifiste, que les chambres seront vides et les munitions épuisées, le dernier des enrayés entamera son ascension et scellera la brèche pour l'éternité. D'accord. Si vous voulez. Donc lui, sa capacité, c'est d'avoir de plus en plus de balles chaque fois que je me fais toucher. La question est maintenant de savoir est-ce que c'est fort. Est-ce que ça fait mal? Ça rebondit en tout cas. Bon, ça a l'air sympa, quoi. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment, on verra contre un boss. J'ai pas vraiment envie de tester le fait de me faire toucher, malheureusement. À côté de ça, c'est ici et non contre un boss que je vais avoir envie de me faire toucher. Parce que contre un boss, se faire toucher, c'est perdre un cœur. En termes de profit. Ok. Le boss est ici. Est-ce qu'on tenterait pas ça direct? Est-ce qu'on ferait pas genre cette run n'importe comment? Ah, on a envie.
Ok. Bon, ça a l'air de faire mal, hein. Après, les boss du premier étage, n'a pas beaucoup de vie. Mais bon. Déjà bien. Pas que ça pour plus tard, on prend un cœur. Et on chope gentiment. On ne sait pas quoi. Un classique, visiblement. Le M1911. Hello Black Spore. Cette arme de conception ancienne tire de simples projectiles de plomb d'un chargeur de faible capacité entre des mains expérimentées. Cette arme est redoutable. Ça a l'air d'être le classicisme à l'état pur. Bon, si je suis sur le point de me faire toucher, par contre, il faut que je change d'arme. Je veux dire, quitte à se faire toucher. Autant essayer d'en profiter, quoi. Ok, très bien. Un monde de grenades. Le double fusil. Ah, les doubles fusils, excusez-moi. Excusez-moi du peu. Excellentissimo. Place à Jean-Louis l'épéiste. J'ai eu peur pour ma table. Je vous avouerai. Des munitions. Vive la vie. Bon, je commence à avoir un peu de thunes. Ça fait plaisir. C'est un peu le désespoir au début. Oh, une clé. Ça fait deux clés. Excellent. Bien sûr, là, il va y avoir un coffre. Oh, c'est un gros coffre. Est-ce qu'au niveau des coffres, on serait pas genre bien? Le bonbon magique. Mais ce serait pas le bonbon de Pokémon, d'ailleurs. De santé, vitesse de déplacement, dégâts. Bon, voilà. Très bien. Alors. Du coup, on prend ça. On prend ça. Où est la grande salle? Là. Eh oui! Il y a bien une clé ici. Et maintenant. What? Ah non? Ah non, j'ai pas utilisé de clé. Mais du coup, j'ai activé un truc là. Merde. Alors, j'ai peut-être pas compris, mais je croyais qu'on m'avait dit faut aller dans la cheminée et activer les clés. Bon. Vraiment, j'ai fait un truc. Est-ce qu'il faut que je me rebalade? Comment ça se passe? Pour El Famoso, passage secreto. Je ne comprends pas. Ah, attendez, il y a une salle ici. Ah, ah, c'est ici qu'on a besoin des deux clés. Très bien. Tout est compris. Non, parce que voilà, celui-là, on m'a dit, t'inquiète pas, il est facile. Parce que la dernière fois, par contre, on m'a dit, oui, il y a un passage secret, machin. Énorme. Tout ça déverrouillé, joli. Sauf que, on est mort à ce moment-là. Donc bon, c'était moyennement énorme, je peux se dire. Mais c'était le quatrième passage secret, apparemment, qui est censé être aïe, particulièrement difficile. Imagine. Alors que là, mis à part ce petit point d'armure perdu, est-ce que c'est pas censé être la facilité même? Est-ce que c'est pas censé être juste une occasion de gagner toujours plus de thunes? Il faut une clé supplémentaire. J'espère qu'il y a un marchand par contre dans ce passage secret, s'il faut des clés. Ou qu'on va réussir à avoir une clé... Ah non, mais s'il faut une clé des copains en plus... compliqué la vie, hein. Oui, bonjour, excusez-moi. Veuillez exploser. Thune, thune, thune. Toujours plus de thunes. Ah oui. Oui, très bien. Vite, oui, à la vie. Ah. Ok. Petite armure. Ah bah oui, il y a un marchand. Alors. Bonjour. Un canon scientifique. Ça a l'air bien. On apprécie. Donc il me faudra la clé. Hein. Il faudra la clé, mais pour le moment, on va pas encore acheter. Quoique, je me dis, il faudrait peut-être que je l'achète. S'il y a un coffre avec une ficelle. Mais bon. Vu que, pour le moment, faut que je regarde une clé de côté pour le pote. El Famoso Poteau.
est-ce que on ne garderait pas cette clé de côté, justement pour éviter de l'utiliser. Parce qu'on se connaît, hein. Là, il y a deux choses où on n'arrive pas à se contrôler. C'est les coffres avec les ficelles et le Wiglerion. Et les soldes. Hein, s'il y a bien deux choses où on a du mal, c'est ça. Les yeux. Les yeux partout. Vous êtes observés. Big Brother. Le grand frère. Voilà, c'est marrant, ça va vite là. C'est pas les habituels. Hein. Ils sont chauds, chauds, chauds. Qu'est-ce que c'est que ça ? Offrir un sacrifice sanglant au reliquaire. Ça veut dire de la vie ? Oui. Ah, j'ai offert un cœur. Je suis plus fort. Je suis maudit. D'accord. J'ai offert le cœur que j'ai eu en battant le premier boss, quoi. Comme quoi, hein. Faut pas signer des contrats sans avoir lu les petites lignes. Hein. C'est un peu malsain. Ah, tu peux toujours retomber sur un coffre arc-en-ciel. Ou un coffre glitch. C'est quoi un coffre glitch ? Arc-en-ciel, j'imagine, c'est ceux avec les roulettes ? Ceci est un boss. Mais faut que j'économise une clé. Pour le petit pote. On sait pas qui c'est, mais on a envie de sauver des amis. Un coffre, c'est pour une run. Des potes, c'est pour la vie. C'est ça qu'il faut se dire. Ah ! Ah ! Si je me TP, est-ce que ça réinitialise la corde ? Non. Adieu. J'aurais dû l'exploser, j'étais débile. J'aurais peut-être pu gagner quelque chose en explosant. Au moins de la ferraille, quoi. Terrible. J'ai loupé ma chance. Y'a rien. Ouais. J'aurais utilisé une balle blanche et réagir. Ouais, tout va bien. Ah, le geste manqué. Ah bah, une clé, énorme. On apprécie. Merci. Ah, le geste avant tout. Ah, ça a l'air d'être une salle relou, ça. Pour passer un bon moment. Mais non, mais j'ai appuyé sur... je vous jure, sur l'arbitre. Sur l'arbitre. Oui. Voilà. Sur l'arbitre, terrible. Ah, oh. D'accord, super. Vraiment, les meilleures salles. Hein. On adore. Très content. Oui. C'est un oui. J'ai perdu un cœur pour... de la gnôle. Énorme. Surtout, n'hésitez pas à me faire perdre plus de vie maintenant que j'ai perdu un cœur. Allez, on se reconcentre. On se remet dessus. On respire beaucoup. Moment ASMR, détendez-vous. Que tout le monde se détende. Est-ce que vous êtes détendu ? Je suis détendu. Détends-toi, voilà. Toi aussi, détends-toi, c'est important. Faut détendre les gens. Bon. Visiblement, c'est le boss qui a la clé des copains. Qu'à cela ne tienne. Un coffre arc-en-ciel, c'est un coffre de rareté légendaire. Basiquement, il donne 6 ou 8 objets. What ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça a l'air bien. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Forcément, on n'a jamais été dans ce niveau. Donc on n'a jamais vu le boss. Donc il va nous mettre une raclée. Blobuchef. Oui, très bien, très content. Ah, mais du coup, cette histoire de chargeur là pour cette arme, ça marche même quand c'est pas elle qui est utilisée. Ça, c'est beau. Ok. Ce qui fait que cette arme peut devenir très forte. Et avoir très vite, plus aucune munition. Une clé en plus. Très bien. Je n'étais pas obligé d'économiser tout ça pendant tout ce temps. Une banane. Était-ce vraiment nécessaire? On ne sait pas. Nous avons donc deux clés.
On va commencer par le pote. Bonjour. C'est Freddy ? Merci, enfin libre. Je manquais d'espace dans cette niche. Ah non, c'est un chien. Ah bref, moi c'est Tonic. Tonic le tigre. Tonic le bulldog. Passe me voir à la brèche. Si t'as envie de passer à la vitesse supérieure. A plus. D'accord. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Une vieille armoirie. Plus d'armure. Mais genre, à vie ? Comment ça se passe ? Une drôle de pièce d'armure. Armoirie d'une étrange religion. Les bords sont usés et éraflés, comme si on les avait encadrés plusieurs fois. Le dessin décrit la chute d'une grande balle tombant du ciel, entourée par des silhouettes de zombarmes prosternés. Alors je vois pas tout ça, mais ça a l'air bien. Je sais pas, c'est juste un point d'armure ou c'est un point d'armure qui se régénère avec le temps ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'elle la joie dans ce qu'on vient de récupérer ? Trop pas ridicule, oui. Super Space Turtle, what ? Les armoiries, tu vois la salle où il manque un objet dans l'étage 2. Ah oui, le truc là de l'hôtel. L'hôtel où je dis toujours que ça sert à rien. C'est là-dessus qu'il faut poser les armoiries. Je prends une clé. J'ai perdu tellement cher. Après, avec le deuxième étage, j'ai peut-être moyen de me refaire. Allez, moi je dis, on a moyen de se refaire. Est-ce qu'on prend le camion scientifique ? Tentons le camion scientifique. Oh, j'ai pas encore eu le canon scientifique. J'ai déjà eu ? Cet immense canon a été développé pour répondre à un appel d'offres de l'armée hégémonique. Le rayon persistant d'intense énergie scientifique. Oui, on l'a déjà eu ça. À laser. Voilà. Avec ça, qu'est-ce qu'on a ? De la merde ! Message moqueur, énorme. Très content d'avoir eu un message moqueur. C'est ça, donc c'est bien l'hôtel. Faut l'amener là-bas. Sauf que les armoiries comptent comme une armure normale et sera la première perdue utilisée. D'accord. Très bien. Donc il ne faut pas prendre de coups jusqu'à la salle de l'hôtel. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un coup avant la salle de l'hôtel. La base. Alors, imaginons qu'on passe par là. Énorme. C'était bien. Mais maintenant on sait. Ça c'est beau. Ah, la connaissance avant tout. Ah mais ça, genre, ça rend les gens amoureux. Paralysés. Incroyable. Eh c'est la run des pièges, hein. Franchement, on est tombé que sur des salles de pièges. Des salles genre sales. Vous voyez ce que je veux dire. On va récupérer des munitions. Oh mais il est remonté à 50 lui. Me demandez pas comment. C'est pas mal d'avoir eu le message moqueur. Ah bon ? Ça sert à quoi le message moqueur si ce n'est me prendre des insultes dans la tête ? Bonjour. Ah mais est-ce que j'ai encore la thune ? Oui, je suis à sec. Ah mais de 2 balles, franchement mec, tu m'avances, tu fais une ardoise. Petite ardoise là, on s'arrange. Ah, bonjour. Bon, j'ai l'impression que c'est pas ouf dans ces salles là, par contre. Aïe, bon, j'arrête de faire mes courses là. Que je regarde un peu ce qui se passe. Très bien. Bon là j'ai assez pour jouer au jeu des Winchester. Supernatural, oui. Alors. Oh je me suis fait saquer avec cette arène là. J'aurais pas dû accepter. Comme ça. Oui. Comme ça. Oui. Oui. Non. Super blaster. Ça va. Est-ce que la joie est là ? Oui, oui. Oui, il y a des tons, oui, allez, à jouer là. Quand tu auras trouvé les 6, tu pourras t'orienter dans le labyrinthe de l'étage du rat. Les 6 ? Ah, il faut que je fasse une run où j'ai 6 messages moqueurs à la suite ? Parce que là, j'en ai genre 1, tu vois. C'est quand même beaucoup.
une clé. Non. Je m'explique. L'arme où tout va si vite que on n'a pas mis de balle, hein. Pas de projectile, ce sera bon. Ah, bien sûr. Par ici. Ah, le canon infection, c'était pas mal, hein. C'était surprenamment efficace. Appréciable. Ah bah oui. Enfin, prends donc un coup. On est chambre 2, on a déjà plus de vie, quoi. Où est le monde? Où est la vie? C'est un tir continu qui est opéré. Excellent. Excellentissimo. Oui, je le veux. Ah non, pas lui. Quoi? Il a muté? Non, il est pas comme ça, à la base. Il a pas un petit pain à l'arrière du cul. Qu'est-ce qu'il a amélioré? Ah, le blaster. Il s'améliore l'un d'autre. Incroyable. Il est devenu dégueulasse. Il était déjà pas très ragoûtant à la base, mais... Ah non, on va garder ça. Tu les débloques sur plusieurs runs. C'est juste à l'avoir dans l'encyclopédie. Ah! Encyclopédie. Ici. Parce que du coup, j'en ai déjà eu plusieurs, non? Je pense. Ouais, c'est déjà payé ma tête plusieurs fois dans ma vie. Oui, j'en ai 3. Ah oui, c'est pas les mêmes textes. Ok. Ah. Bien sûr. Un plaisir avant tout. Un cœur restant. Ça va être une run très courte. Nous avons apprécié ce moment. À découvrir des choses, c'était beau. On a tenté l'impossible. Ah, pour l'effort. Ah oui. L'ennemi préféré des Français. Est-ce qu'on a vraiment envie d'enlever davantage de vie? Ah, ça. Ça, ce sera vide à jamais, finalement. Corne d'alerte. Appel du devoir. Lorsque vous soufflez dedans, tous ceux qui sont à proximité se précipitent pour vous prêter assistance. Ah, genre, ça rend amoureux... les mecs autour, quoi. Oh, attendez. Vraiment, je dois changer d'actif. Ce sera en profitant d'abord de l'appel. L'appel du Gondor. Euh, 51 balles. La vache. Vraiment en rage de vie, quoi. C'est terrible, hein. On passe un mauvais moment, là. On passe un bon moment, mais il est lourd de conséquences. Compliqué. Banane avec synergie.
sur le boss. La banane tout court, hein, c'était pas... C'est vrai que le boss de niveau 2, là, il doit pas avoir beaucoup de vie. Ah, j'aime bien les clés, hein. Je te refais pas. Hein. Je viens du sud. Allez, la banane, c'est pour vous. Et par tous les chemins, j'y reviens. Ah, mais c'est pas ouf, parce que... Ah si, c'est bon. Je suis en mode, ouais, si ça explose... et qu'il se prend qu'une banane à la fois... C'est moyen, quoi. Ah non, on veut changer, hein. Alors que là, est-ce que ça va pas genre plus vite? Allez, recharge, dépêche-toi, voilà. Petit peu de vie. On aime la vie. Cannibale, à table. Ces balles cannibalisent leur environnement. La magie du Gungeon dote ces balles d'une intelligence primitive et elles obéissent à l'instinct le plus primaire, se nourrir. Quelle différence par rapport à d'habitude? Imaginons, je tire avec ça. Quoi? Tu vas manger la table? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça change? Ma balle est déjà censée tuer les gens à la base, hein, donc... Qu'est-ce qu'on y gagne? Combien coûtait le demi-cœur, là? 24, donc ça vaut pas le coup que je fasse... Remarque, est-ce que le vampire me donne 20 ou il me donne plus? Parce que j'ai moyen de me faire de la thune, quoi, hein, globalement. C'est la question. Oui, bonjour... 24, oui, non, mais c'est le même prix, en fait. Aucun intérêt. Si je veux juste gagner de la thune. Admettons. C'est la banane explosive de Worms. Oui, la banane à bombe. Vive elle. Paf. Chambre 3. Ok, on a du buff. Du buff qui est opéré. Le buff est vaincu, je répète. Le buff est vaincu. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Mais on a grandement apprécié. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai été décerné seigneur des trous? Comment ça se passe? Chute sans dégâts. Évite toutes les blessures consécutives aux chutes. Contre un certain prix. Comment ça? Quel que soit son talent, tout aventurier commet inévitablement des erreurs, et tomber dans un trou en est sans doute l'exemple le plus pénible. Cette amulette représente un marché conclu avec le seigneur des trous, avatar des profondeurs. Oui, moi je veux bien, mais c'est quoi le certain prix? Si le prix c'est de porter cette amulette contre tout incentive de la mode, ça me va. Thanks to the blue and black enemy projectile, the effect has a charge of 3.3. Ah, attends. To the blue and block enemy. Ah oui, d'accord, les gros blocs, oui. D'accord. En vrai, on peut tomber tranquille, ok. D'accord, c'est contre les ennemis environnementaux, en effet. Un reliquaire dédié à l'œil maléfique aux multiples armes, le tir en œil qu'on vient de buter. Il semblerait que chaque bras du reliquaire puisse tenir une arme. Bah, il me faut 6 armes du coup, c'est ça? Dans ce cas, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Excusez-moi, j'ai agi sans réfléchir. Pourrions-nous nous entendre, s'il vous plaît? Ça sent la salle relou. Oui, la salle relou. Oui, bien sûr. Bien entendu. Alors que je peux tomber dans les trous. En mode Osef.
Et je n'y pense même pas. Pour me sauver. Mais ça c'est le problème, c'est quand t'as des objets contre tes réflexes de base. Pour les utiliser, c'est toujours compliqué. Faut être vraiment un opportuniste né pour les utiliser sans problème. Et sommes-nous dans l'opportunité à proprement parler? Je ne sais pas. On devrait, sans doute. Ah bon? C'est l'araignée gypsy. Oui, non. S'il vous plaît, calmez-vous. Ça devient problématique. C'est embêtant. C'est une histoire embêtante. Est-ce qu'on s'embête? La réponse est oui. Aïe. C'est officiel, j'en ai marre de cette salle. Merci. Oh là là. Terrible. C'est vrai que je pourrais utiliser mon passif aussi. Enfin mon actif plutôt. Car mon passif de toute façon s'utilise tout seul. C'est son principe. Félicitations à lui. Waouh. Une fronde. On en est là. Ah, les anciennes armes sont parfois les meilleures. C'est une arme ancienne, mais certainement pas une des meilleures. La fronde, à peine être qualifiée d'arme, même dans le gungeon, ne peut être recommandée qu'en dernier recours pour gungeonier désespéré. Ah, bah, ça va finir dans la boîte, ça. Incroyable. Un caillou. On a adoré. On va finir d'utiliser le super blaster, et puis voilà, que je vous dise. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai besoin du super blaster pour la synergie avec la fourmi, bon. Un problème. Ah. Ah, j'ai jeté mon blaster. Incroyable. Tiens, coup de fourmi. Incroyable. Tiens. Oh la vache. Ah, ça fait ça la synergie. Ah, ça. Oh oui. Oh. Ça a l'air bien, finalement. With glass. With glass, c'est pas mal. C'est pas mal. On apprécie. La vache, il faut que je remarche tout ça. A-t-on vraiment envie de remarcher tout ça? Il te faut 6 armes du tiroil. Six armes au hasard ou 6 armes précises du tiroil pour la statue? Ah, c'est un boss. C'est un boss. N'apprécie. N'apprécie, les gars. Oui. Ah, ça ne one-shot pas les doubles canons. Dommage, les dégâts étaient appréciés, voyez-vous. Ah, et par contre, il se retourne plus. Donc, il est juste devenu une bonne arme, quoi. Arrête de faire son truc en mode, oui, un coup sur deux, je me retourne, tout ça. Les coffres sont amicaux. Les coffres sont nos amis. Retenez-le. En vrai, du coup, fronde plus le petit flingue classique, là. Hein, dont tout le monde se fiche. Ça finit là-dedans. Hein. Tiens. Lui, là. Là. Allez, donne-moi du rêve. Ah oui. Le boule de neigeur, c'est bien. Pour les donjons, c'est bien. Démonstration. Le boule de neigeur, démonstration. Observez comme l'ennemi, une fois gelé, ne peut plus rien faire. Il devient officiellement une sous-meurde. Ok. Bombardine. Je peux pas dire que ça m'émoustille, mais rappel des souvenirs, quoi. Ah bon. Je vois que les gens sont en colère. Calmez-vous, monsieur. Voilà. Avant tout, calmez-vous.
Ah. C'était une colère simulée. Oh non, il est sorti du sol. On est vraiment là. Ok. Excellente. Alors ici c'est un coffre brun. Et là-bas c'est un coffre quoi? Vert. Bon allez. Fusil du grand néant. J'avais pas déjà eu ça? Oh j'ai déjà eu. Les armes que possède le tyran, oui. Ouais. Ah oui, donc il faut vraiment 6 armes spécifiques quoi. Chaud? En vérité. L'arme préférée des soldats du noyau, du grand néant. Oui, oui, je crois qu'on a déjà eu ça. Je crois que ça a déjà été acquis. Bon, on a 2 cœurs, c'est pas terrible. Vous avouez que niveau cœur. C'est un peu merdique quoi, bon, on va pas se mentir. Prenons ça. On va retourner là-bas, on va faire le coffre. Alors j'aurais pu faire le boss avant, peut-être qu'il aurait filé une clé. Mais peut-être que ça va me filer des cœurs. Pour que je me sente mieux dans ma peau. Est-ce que c'est ça, pas ça le principal quelque part? De se sentir bien. Ah, ma manivelle. Vraiment, en est-on là? Faut la remonter. C'est parfait. Ah, c'est très bien. Vous savez, il me faut pas grand chose. Pili pip pip pili pip pip pip. Pili pip 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 pip. Allez, go avec ça. Calmez-vous. Ah, plus de munitions. C'est un problème. Au secours! Prends le pouvoir de la musique. Ça fait mal en vrai cette merde. Enfin, ça se respecte. Excellent. Pala papa pala papa. De la thune. Ah, de la vie. Du plomb irradié. Que demande le peuple? Alors. Je crois qu'on a plus rien à faire ici. Boule de neigeur, Lego. Bon, c'est pas une run où je me sens extraordinaire, c'est pas une run où je me sens perdu, on a quand même fait des belles choses. C'est une run où tout peut changer du tout au tout très vite. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Peut-être. Il faudrait des munitions par contre pour mon Hydra. Hydra doré. Parce que c'est quand même lui mon main DPS. Genre là. En mode c'est un item, non, c'était un cadavre gelé. Ah, c'est un problème. Il est tombé. Le croc. J'ai pas de clé. Vite. Pétons-le. Non, ah non, on avait dit non, c'est pas la peine de le péter vite. Tout va bien. Pourquoi? Pour le boule de neigeur.
Oui. J'hésite. Canon à manivelle. Ouais. Comme ça, il est bon aussi. Maintenant, c'est mon boule de neigeur où il faut que je m'en occupe. C'était un choix audacieux. On apprécie. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, je fais un peu de poison avec le plomb irradié. On apprécie. Belle initiative. Le plomb irradié, c'est vraiment ce qui nous manquait dans l'économie d'aujourd'hui. J'ai eu peur. C'était, en vérité, une scie. La vache, il était juste à côté, je l'ai pas vu. Il m'a loupé. Abrutix. Décidément. Excellent. Apprécie. Faut pas que j'oublie que j'ai un actif. J'oublie tout le temps que j'ai un actif. Il me servira à rien contre un boss. Donc je pense à l'utiliser dans le donjon. Non. Qu'il est relou. Le monde le déteste. Bonjour, oui. Il est enchanté, oui. Sans doute. Excusez, il éternue parfois. C'est l'été, hein. Les allergies, tout ça, c'est terrible. Ah. Trop près. Trop près, ça s'est payé. Terrible. Bon, il a fini le roi des cercles, là. Ok. Ah. Ah, tiens-moi le malin, maintenant. Hein, hein. Tiens. Un meurtre de sang-froid. Bonjour. Ah oui. Oui, donc mes balles contre les blocs. Bien entendu. Ah, excusez-moi. Tout est parti si vite. Un cœur en plus, je dis pas non. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Le bruit chiche. Un cœur en plus, on dit jamais non. Hein. Il est content, ça y est, il explose de joie. On le comprend. Hein. On a envie de faire pareil. Excellent. Tu fais quoi là? Tu fais de la police? La vie. Oui. Oui, bah oui. Je suis un peu trop enjaillé là. Calmons-nous. Le jeu m'aide, mais mais dès que je me sens trop bien, ça ne va plus. Et non. Calmons-nous, qu'on a dit. Est-ce qu'on est calme? Oui. On va prendre ça. Je me sens bien calme avec ma grosse fourmi dans les mains. Oh là là. Les dégâts que ça fait ce truc. Les dégâts. Bon, en vrai, il y a combien de coffres dans cet étage là? Parce que. Je crois qu'on en a vu 115 à peu près. Je me demandais si je vais pas faire le boss avant de continuer. Oui. Surtout, n'hésitez pas à spawner. Des munitions.
Est-ce que je reprends pour le boule de neige? Sachant qu'en vrai, j'ai l'impression que la fourmi est meilleure hein, avec la synergie. J'y gagne plus sur le boule de neige au niveau des munitions. Du coup. Alors, on a ici l'arme extraterrestre, un peu de vie, des munitions, une clé. J'ai envie de prendre la clé. Bien entendu. Alors ensuite le boss, et ensuite on ira faire le tour. Les coffres. Pour le boss. Je pourrais laisser enfoncer Batouche pour sélectionner une arme précisément, mais le problème est que à partir du moment où tu fais ça, ça n'alterne plus que entre ces deux armes quand t'appuies sur Y. Ah, ça a l'air chiant ça. J'ai visé le mauvais, je suis un bâtard. Excellent. Ah, l'Hydra. Histoire d'amour avant tout. Le Colt, mais 1851. On enchaîne les dates, hein, aujourd'hui. Tout dans la joie de vivre. C'était la mauvaise touche. Alors, on n'a pas une clé, hein, on est d'accord? Si, on a une clé. Donc, on peut ouvrir un truc. On a des coffres verts, mais je crois qu'on a un coffre bleu aussi. Coffre bleu, ça a l'air bien, non? On apprécie les coffres bleus. Est-ce qu'on apprécie les coffres bleus? Je pense que oui. Ce sera toi. Le coffre. Ah, je le hais. Oh, je le hais. Le coffre. J'allais dire l'élu. Le coffre de l'amour. Quel salaud. Saligo, Sabigordo, tire ordure. En plus, il m'insulte avec son arme. Je le hais. On est quand même sur trois lignes d'armes. Hein. dans ma benne. Une arme improvisée qui tire des ordures, envoyant du poison dans toutes les directions. Une menace sérieuse pour tous ceux qui sont présents dans la salle, y compris le tireur. Très bien. C'est une arme chargée ou c'est une arme... C'est quoi? C'est une arme chargée. Semi-automatique, d'accord. Ok. C'est dégueulasse. Alors allons-y. Allons péter du coffre. Car c'est bien sûr notre grande passion. De la vie. Merci. Ah mais c'est vrai que j'ai beaucoup de coffres parce que je suis l'ami des coffres aussi. J'avais oublié. Les coffres sont nos amis. Il y en a un ici, je crois que c'est tout déjà. Je pensais qu'on avait 115 millions. En fait, non. Petite ferraille. J'aime bien que ça arrive un jour. Quoi? Ah oui, non, mais la ferraille, ça va être avec le lance-ben. Les coups. Qu'est-ce que ça booste? La ferraille, où est-elle? Elle est là. Oui, bah oui, c'est le lance-ben, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est amélioré par la ferraille. Très bien. Est-ce qu'il y avait encore un truc que je voulais chez El Marchente? Munitions, j'ai pas assez. Je voulais les acheter pour l'Hydra. Tant pis, c'est la vie. Parce que là, munitions à l'étage 5. Enfin, je favorise l'Hydra en tout cas, hein, si jamais je trouve des munitions. On verra bien ce que ça donne. Donc, on se fiche de la forge, sauf pour acheter des trucs. Et on est intéressé par battre le dragon pour atteindre la liche. Bon, on est avant tout intéressé par le fait de passer un bon moment.
Dire qu'au début j'étais en mode non c'est mort ça. Et là, là on est toujours dans la run où je pense que le pire peut se produire, mais suivi d'une salle de mort. Mais si on tombe dans le vide, on est bien. Et on a la race de cœur. On s'est plutôt bien refaire. Oh non pas la main, c'est chiant la main. Et oui. Paf. Alors, on stocke pour plus tard, du jamais vu. Du jamais vu dans le cinquième étage. Gel, excellent. Bien sûr. Calmons-nous, tout va bien. On a de toute façon mis de la vie dans une machine pour plus tard. Bah oui, j'avais oublié qu'il les ramenait vers lui. Parce qu'il en avait envie. Calmons-nous. On s'est jinxé là. Tout va bien se passer. En gros, et ça gère le poison. Hein. Si ça m'économise quelques balles, toujours sympathique. Ah, oh, est-ce qu'on avait vraiment envie d'un boss secondaire maintenant? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il peut geler? Je crois pas. C'est chiant. Crève sinon. Mais non, je pense avoir réussi ma roulado. Elle présente roulado. Oui bah oui bien sûr. Concentration. Bon, ça nous a enlevé quelques cœurs, mais c'est la vie. Si possible, sans l'acide, merci. Une carte. Je n'ai pas de clé. Oui, il y a deux coffres. Ah oui. Pistolet de duel. Ah oui, non, mais c'est un vieux truc, ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une salle secrète? La vache. Au moins, ça nous permet de focus, si on le souhaite. Ah, il y a une salle secrète, mais c'est là-bas. Et c'est des coffres. À tous les coups, il faut des clés. En tout cas, déjà se débloquer la forge, parce que c'est vraiment pas loin. C'est dans nos capacités, potentiellement. J'ai cru que ça allait être un autre mini-boss, j'étais en mode non, mais vraiment. Arrêtons là. Mais non! Réfléchis! Utilise ta petite tête! Allez hop! La scie. Oh genre ça lui fait rien. Déception. Bien. On peut se reprendre un peu de vie, on peut se reprendre des munitions, on peut se prendre de balles à tête chercheuse, mais on ne le souhaite pas. Balle à blanc. Bon. Pour le lore. Hein. Pour la fameuse balle là. Et donc ici, un passage secret. Alors je fais... Elle dit rien, elle s'en fiche. Hein. Oui, une clé, vite. Drôlerie, canon en t-shirt, énorme. Une ruche. Est-ce que ça valait vraiment une balle à blanc? On ne sait pas trop, mais il est vrai que nous pouvons maintenant... Gunniver et les Lilliputiens. Genre mon âme... Ma fourmi est devenue encore meilleure. Très bien. Canon à t-shirt, ça va finir là-dedans. Et ça aussi d'ailleurs.
Puis du chasse, ouais. El Classico. Ensuite, j'ai combien de munitions? Fourmi, je suis pas ouf niveau munitions, mais surtout Hydra, c'est la mort. On va racheter ça. On va acheter ça. Ça, on va attendre. Potentiellement, si on a besoin de vie. Par la suite. Ça, c'est juste deux salles pour se mettre plein la race, donc on va dire non. Et ensuite, on va retourner sur Boule de Neigeur, même s'il n'y a plus beaucoup de munitions. On va attendre, hein, de... Bah non, mais je peux voir directement les types de coffres avec la carte. On regardera. Savoir si oui ou non on ouvre directement. Alors, c'est du bleu, du vert. Ok. Roche volcanique, les cadavres explosent. Enfin, il faut qu'il y ait des cadavres pour ça. Enfin, tu me diras, les deux contre un boss sont nuls, donc... à partir de là. Ah, mais lui, j'ai une... What? Ah, j'ai la ruche qui me suit! Quand j'utilise la fourmi, c'est trop bien. Excellent. On apprécie. Boule de neigeur. Ah, mais 17 balles, j'ai jamais arrivé loin avec 17 balles. Utilisons la fourmi alors. Viva El Fourmitos. El Fourmitos des Gungenos. Mm-hmm. El Degatas de la fourmi. Fourmi Espelas. Bien entendu. Oui, bien sûr. On apprécie. Tout cela part bien sûr d'un bon sentiment. Les flaques de merde. Incroyable. Ah, mais ça envoie des petites... la ruche qui attaque, quoi. Des petites abeilles empoisonnées. On essaie de passer quand même, hein. Au bout d'un moment. Ah oui, mais... C'est pas ici. C'est pas ici, la suite. Voilà, mais le mec va tellement vite. C'est insane. Ah oui, toujours plus. J'ai été touché. Ah, le feu. Ah, les flammes. Reliquaire dédié aux deux des armes. Faire une offrande. 10 pièces. Monsieur, 10 pièces, y'a pas de soucis, hein. Balle sortie de nulle part. D'accord. Ici, on a donc un coffre. Vive nous. Faut des munes, hein. Ah, mauvais calcul. Bah oui. Mais tout va bien, on ne subit pas de dégâts en tombant dans le vide. Il va être chiant, lui. Mais non, mais... J'ose pas me lancer. Maintenant. Vraiment la meilleure map. Ah, ça marche. Excellent. Un autre coffre.
Aïe. Bon, j'ai perdu beaucoup de vie quand même là. On se calme. Complètement en fou. Bon, elle fourmitas, c'est la fin. Hein. Elle bananas. Oui, non, mais ça, c'est la salle du boss, ok. C'est la fin du monde. Ah, mais ça, plus les trucs de poison, c'est terrible. Non. Il l'a fait. Vive lui. Allez, Mune. Hydra, c'est bon. Elfourmitas, hein, peut-être. Vive Elfourmitas. Ah non, mais ça, c'est juste des ennemis, en plus. Ok. Bon, bah, go boss. Hein. On a perdu beaucoup de vie, malheureusement. Mais, entre nous, on a quelques balles à blanc. On a des possibilités. On a surtout l'Hydra. L'Hydra doré. Entendons. Hein. Par contre, ouais. Loupé. Ok. Reste deux cœurs. C'est pas ouf. Mais bon. Oh, alors, on a failli l'avoir en une seule fois. Très bien. El Dragono, c'est fait. Ok, bon. Maintenant, la question est, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la sixième chambre? J'ai plus que deux cœurs. C'est chaud. On va faire le tour des coffres. Pour bah, péter un maximum de coffres et on verra bien. Est-ce que... est-ce qu'on regagne de la vie? Est-ce qu'on gagne des trucs? Comment ça se passe? Petite collection de ferraille. On sait jamais. C'est jamais. Toujours plus. Phoenix. Renaît dans les flammes. Réduit les ennemis en poussière, l'arme
connu pour avoir été brandi par Erias double coup lors de son ultime tentative dans le Gungeon. D'accord. Ah, est-ce que c'est fort? Je ne sais pas. Ah, c'est impressionnant. Déjà ça de prix. Est-ce qu'il restait encore des coffres Non. Du coup, allons à la forge. Je peux acheter un demi-cœur. C'est dégueulasse. Mais c'est tout ce que je peux faire. Alors, est-ce que je pense qu'on va y arriver avec deux cœurs et demi? Non. Quelles sont nos meilleures chances? La fourmi, en vrai, je pense que ça a des bonnes chances de réussite. Cuisine du grand néant, ouais. Ouais. On va faire fourmi et canon à manivelle, peut-être. Ah, je sais pas. Ou banane. Après, la benne, elle est augmentée par les ferrailles. Et genre, j'ai... 120 millions de ferrailles, quoi, donc... Est-ce que ça augmente avec le nombre de ferrailles? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, j'ai plus de munitions d'Hydra. On va faire 100. On va bien avouer, hein. En tout cas, ça aurait été une belle run, mine de rien. Des débuts difficiles, et finalement, on aura su remonter la pente. Notamment grâce à l'Hydra. Merci, Hydra. Ok. Vive la vie. Tu prends le piège. Oh, il est même pas one-shot par le piège. Terrible. Ok. Cool. Petit coffre. Avec une clé, le Mega Roser. Merci bien, mais le Mega Roser, quoi. Qu'est-ce qu'il augmente? Ah, il améliore le boule de neige. Extrêmement bien. Attendons qu'ils soient un peu stackés, comme ça les spawn tous l'explosion. Et pour les petites merdes comme ça, on va attendre que les abeilles s'en occupent. Voilà. Gentiment. Nous avons eu droit à du dégât. Ok, donc là ça revient sur nos pas. Ok.
Ok, le skeleton c'est fait. Ah non. Pas plus le droit de louper. J'ai un peu de munitions. Ok. De la vie. Il nous faut aussi des munes. Il nous faut tout. Tout va bien. Tomber dans les trous, c'est avant tout une méthode défensive bien connue dans le Gungeon. Allez, toutes les petites merdes. Go mes abeilles. Ah, j'ai plus qu'une munition. C'est globalement mort. Quel sera mon nouvel artilleur rail, compliqué à dire. Je fatigue, hein. Canon scientifique. Fusil grand néant. Allez, hop. Quoique, est-ce que j'essaierai pas plutôt le... lui, là. Oh. Ouais, mais en vrai, c'est... J'ai l'impression que ça fait pas de dégâts, quoi. Enfin, c'est juste que ça met du poison partout. Ok, ça passe. Ah, mais là, ça va revenir en boucle. Donc c'est l'autre salle là-bas qu'il faut que je prenne, en vrai. Ah, mes armes, enfin ces balles-là, je lance. Arrête les balles ennemies. C'est beau ça. Bordel. Oh vache. D'autres balles qui se baladent. Tout va bien. Avant-toi, bon moment. Oui, bah oui. Plus qu'un carré et demi. Ah oui, le feu. Plus qu'un demi-cœur. Dommage. Je commence à y croire. Un peu. Pas du tout. On se sera bien battu. On a fait plus que ce que je pensais qu'on allait faire. En sixième chambre. Il y a eu des hauts et des bas, mais je pensais qu'on aurait pas de haut. Votre corps est une arme. Armure d'épine. Ok, ok, ok. Ok. Toujours en vie. Ah oui, c'est la fameuse... Ça, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins les mêmes salles qui reviennent dans cet étage-là. Enfin, cette salle-là, on l'a à chaque fois, quoi. Attends par là. Oh. J'avais pas vu qu'il y avait une attaque qui avait été initiée de ce côté-là.
on aura pas le temps pour une deuxième run, vu qu'on a commencé par la run qui va jusqu'au chapitre 6, plus un chapitre bonus. Tournons à la brèche. Bon, ça aurait été une sacrée run. Beaucoup d'armes qu'on a eues que j'ai juste pas utilisées, mais... c'était l'occasion d'assister à quelques synergies, et je me suis réconcilié avec la fourmi. C'est quand même un grand moment. La réconciliation fut totale. Vive la fourmi. À partir du moment où il y a les synergies avec, c'est très rigolo. Notamment la synergie qui fait qu'elle devient une espèce de lance-grenade. Lance-missile. Très très bon. Il me reste encore 3 petits blobs à buter.